Tracy died soon after, alone for civil war. Je voulais saluer la mémoire d'un grand homme. Je voulais saluer la mémoire d'un homme qui nous a marqué, qui nous a impacté par son humilité, qui nous a impacté par ses sacrifices. Je voulais en ce moment saluer la mémoire du coach Lambert, qui n'est plus avec nous. Mais ce que je retiens de cet homme, c'est sa simplicité. Ce que je retiens de cet homme, c'est son humilité. Et en ce matin, je lui dis un grand, grand merci. Merci coach pour toutes ces années que nous avons passées ensemble. Tu nous as conseillé, tu nous as appris à jouer au football. Tu nous as appris à devenir des hommes. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes. Et on n'a pas d'autre mot pour qualifier ta personnalité. Mais ce que nous retenons de toi, c'est ton humilité, c'est ton sourire. Et en ce matin, je voulais te dire un grand, grand merci. Je voulais saluer ta mémoire en ce matin. Et je voulais aussi dire merci à ta femme, qui est une femme aussi humble comme toi tu es. Je voulais te dire un grand, grand merci. Je ne trouve pas les mots pour te célébrer, mais ce que je retiens de toi, c'est ton humilité. Merci beaucoup, coach. Just after I wept always last two, I guess he's better off than he was before. A whole lot better off than the fools he left you. I used to cry for Tracy, 'cause he was my only friend. Was kind of constant, pass you every day. I used to cry for Tracy, 'cause I wanted to see him again. But sometimes life ain't on hold. Salut à tous, je pense que c'est le moment vraiment n'est pas facile, le moment n'est pas vraiment facile parce que on vient de perdre notre coach, coach Lambert, vraiment quelqu'un qui a vraiment fait beaucoup pour nous et surtout pour l'académie. Donc c'était un moment vraiment difficile. Bon, parler du coach Lambert, c'est vraiment beaucoup de choses à raconter. Et puis surtout parler de lui au passé, ça fait vraiment bizarre. Voilà. C'est quelqu'un qu'on aimait tous beaucoup. Et moi particulièrement, j'adorais Coach Lambert. Voilà. Parce qu'en même temps, c'était un père pour nous et puis c'était un ami aussi. Donc on pouvait le taquiner, on pouvait rigoler avec lui, on pouvait l'embêter. Voilà, c'était vraiment quelqu'un de très ouvert et de très instruit. Donc aujourd'hui, c'est vraiment triste de parler de lui comme ça. Mais comme on dit, tout ce que fait Dieu, tout ce qui se passe, c'est la volonté de Dieu. Donc, on va s'y soumettre et prier beaucoup pour le coach Lambert. Voilà, prier beaucoup pour le coach Lambert, parce que si nous sommes là aujourd'hui,
Si nous sommes devenus ce qu'on est aujourd'hui, c'est vraiment grâce en partie à lui. Et Kurt Lambert, c'est quelqu'un, je pense que chacun de nous a une histoire, une anecdote avec Kurt Lambert, forcément, parce que c'est avec celui-là même qu'on a vécu tout le temps et que tu étais très très généreux. Et Kurt Lambert, je faisais toujours des palabres avec lui parce que je trouvais qu'il prenait pas assez soin de lui parce que voilà, il préférait toujours tout donner aux autres. Voilà, quand les autres sont bien, lui il est content, c'est comme ça il se sentait. Vraiment, j'aimais sa force de positivité parce que c'est quelqu'un aussi, il faut reconnaître, même ce qui est impossible, lui va rendre ça possible parce que voilà, Kurt Lambert, c'était quelqu'un que, voilà, qui pouvait t'encourager jusqu'à ce que même tu trouves la chose facile. Voilà, parce que ce que tu trouvais difficile au départ, Kurt Lambert va te faire croire que c'est rien ça, tu peux le faire. Donc c'était dans cet état d'esprit qu'on vivait le Kurt Lambert. Donc j'ai vraiment, vraiment beaucoup de choses et je suis vraiment, vraiment triste parce que ça faisait des années que je n'avais pas vu le Kurt Lambert et je crois une ou deux semaines avant sa mort, bon, la chose, la force en fait qu'on s'est retrouvé au mariage de Marco et vraiment j'étais très content de le voir, mais je le savais très malade aussi et voilà, au moins ça m'a permis de le voir pour une dernière fois et je sais que c'est pas la chance de tout le monde.